The Grand Star poursuivi pour complicité de viol sur mineur, son ami mélanchoniste Raquel Garrido fait profil DAS. Mercredi 17 janvier, Panenza a rapporté que Pascal Cardona, journaliste de Radio France, salarié de l'audiovisuel public donc payé par vos impôts, avait désactivé son compte Twitter après avoir été accusé sur Internet de détournement de mineurs. Impacté par ces révélations en cascade, son ami Jérémy Jordan Gisclon alias Jérôme Star, spécialiste prospère de la télé-réalité, chroniqueur de l'émission de Thierry Ardisson et fan revendiqué, comme Cardona, de Garçon Rebeu. Une vidéo exhibitionniste du blogueur se masturbant, face caméra, avait été parallèlement mise en ligne. Défendu en justice par le clan israélien réuni autour de l'avocat Gil William Goldnadel, Jérôme Star a fait l'objet d'une plainte déposée lundi 22 janvier par Anwar S. L'incrimination, complicité pour viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineur, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Dimanche 21 janvier, son amie, avec laquelle il fête à Noël, Raquel Garrido, par ailleurs avocate, supportrice au tribunal de Caroline Forest contre Panenza, militante de la France Insoumise, et épouse du député de Montreuil, Bagnolet Alexis Corbière, avait pris sa défense dans l'émission d'Ardisson. Dès le déclenchement du scandale, Garrido avait même interpellé le directeur de Twitter France pour faire retirer la vidéo d'exhibition en prétendant à tort que Jérôme Star était alors mineur.